Hop. Suivant. 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 Hop. Hop, c'est le retour, alors, du coup, on va pouvoir enchaîner. Hop, hop, hop. Donc, ouais, tout à fait, excusez-moi, j'ai bien fait. Du coup, ouais, on va... Ah, mais non! Bon, allez, on continue. Et du coup, BCAVB, ouais, tout à fait. Tout à fait, on va faire les BCAVB qui vont affronter les White Tigers. Du coup, sur... Alors, j'ai pas regardé la carte, est-ce que vous l'avez en tête, les gars? Même pas sur quelle carte vous vous êtes affronté. Ah oui, tata, qui c'est? Traversée des bois. Eh bien, écoute, let's go, on va partir sur Traversée des bois et puis on va voir ce premier match. Alors je vais juste vérifier. Hop, je vais juste vérifier juste avant si il y a personne qui veut m'aider à commenter. À moins qu'il y a des volontaires dans le. Je ne sais pas s'il y a des volontaires dans le chat. S'il y en a qui veulent le commenter. Puis on va attaquer tout de suite le match 1. Tout simplement. Alors. Alors, du coup, BCAVB qui affronte une team que je ne connaissais pas. Je pense que beaucoup de gens ne la connaissaient pas. Du coup, la team White Tiger, du coup, qui est composée d'ADN et de J-Blow. Donc, on va tout de suite vous mettre le comment dire, le jeu en route. On va changer les scores parce que sinon Mitty va me gueuler dessus. Mais il faut rien dire. Voilà, hop, du coup, là on est sur un score de 0-0. Voilà. Et du coup, on va changer les noms. Du coup, on va voir comment ça se pointe en partie. Et voilà, donc on va pouvoir voir un affrontement. Donc, BCAVB qu'on commence à connaître, hein, qui ont gagné deux tournois. Voilà. Donc, BCAVB qui vont peut-être nous proposer encore du beau jeu aujourd'hui. Alors, je me permets juste vite fait, je vais changer les timers pour que vous ayez les bons noms d'équipe. Voilà, on va juste changer ça vite fait comme ça. Tout est beau et Mitty arrêtera de se plaindre. Donc les BCAVB et on va l'appeler les Tigres Blancs. Voilà, tout simplement. Non, les White Tigers, je crois que c'est écrit en anglais. Hop. Je sais pas si. Hop. Et c'est parti. C'est parti. Donc. Hop, c'est bon, tout le monde confirme, mais tu confirmes que tu as les scores et compagnie, tu es satisfait avant que je lance et que tu puisses reuploader ça. Et puis voilà.
Eh bah écoute. Eh bah let's go. Alors, du coup, on se retrouve sur une map qu'on commence un petit peu à connaître, une map assez ancienne, donc traversée des bois, et on se retrouve avec cet affrontement des deux titans de la BCAVB. Donc, qui joue russe pour Bolrod et américain pour Alama. Et en face, on a du coup un démarrage en axe avec un Wehrmacht et un Inquad W. Wehrmacht, donc du coup, côté ADN, qui a déjà choisi sa doctrine, qui a décidé de partir une doctrine avec les grenadiers d'assaut. Et du coup, Jibilo, qui lui n'a pas encore choisi de doctrine. Alama aussi, qui a déjà choisi sa doctrine. Et du coup, qui a décidé de partir stratégie de compagnie de reconnaissance, d'appui de reconnaissance, tout simplement. Voilà. Donc, une stratégie qui est très très intéressante, surtout quand vous jouez contre un Wehrmacht, pour arriver et essayer de. Oh là là. Du coup, pour essayer de contrer notre ami la MG42, parce que vous allez avoir plus de portée en termes de visibilité. Alors. Donc une agressivité assez importante de D-Blow sur le carbu, hein, c'est l'avantage qu'il a en tant que OKW, hein, c'est vrai qu'il peut vite être sur le carburant et du coup vite contester ce point là. On a aussi la Wehrmacht qui arrive à capturer le point de carburant de l'autre côté, donc ça c'est pas mal. Donc ça leur fait un démarrage assez intéressant, ils vont avoir un léger ascendant. Après, on a l'arrivée hein, progressif hein, de l'armée, des armées alliées hein, sur les terrains, notamment avec l'arrivée des sections d'éclaireurs, voilà, qui vont pouvoir voir la MG42. Et Alama qui profite de sa connaissance de la carte pour essayer de choper la maison, mais il se fait dépasser par les génies allemands. Alors, c'est vrai que les points de carburant sont contestés assez vite. Mais par contre, derrière, il n'y a pas de capture des territoires. Donc, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a rien qui rejoint ces territoires aux bases. Et du coup, il n'y a pas d'apport de ressources, à contrario hein, des alliés qui, eux, par contre, ayant capturé tous les petits territoires qu'ils pouvaient voir entre le carburant et leur base, ils commencent un petit peu à cotiser hein, justement toutes ces ressources. Hein, donc, même s'ils n'ont pas les points stratégiques, ils ont le reste. Voilà. Alors, Alama, du coup, qui va faire un deuxième fusillé pour enchérir cette équipe d'éclaireurs. Bolrod, qui lui a décidé de faire un démarrage T1 avec des pélos. Voilà. Donc, pélos qui sont très intéressants, hein, je trouve, surtout face à un OKW. Et en plus, ce qui pourrait être pertinent pour lui de faire, c'est pourquoi pas une scout car. Alors, c'est vrai qu'il décide du coup de faire une deuxième pélo, mais une scout car ou un sniper, parce que ce sont des choses qui sont difficilement faciles à contrer quand vous jouez OKW. Donc, VP qui sont pour l'instant en faveur de l'Axe, et l'Axe qui a notamment décidé de choisir de faire un sniper. Alors c'est très très dangereux, j'aurais tendance à dire, parce que vous êtes face à des éclaireurs qui eux ne sont pas seuls, ils sont 4, et c'est 4 modèles qui sont capables de vous faire mal parce qu'ils sont capables de vous voir et de rester en sneaky, tout simplement. Point de cut qui est capturé par Alama qui a aucun état d'âme et qui empêche donc totalement l'arrivée des ressources de la partie gauche. Bolrod pendant ce temps-là, lui va décider d'aller chercher un petit peu la partie droite. Alors je suis désolé, je vois que ça frise un petit peu, je sais pas pourquoi, ça traverse des bois, il n'est pas de bonne humeur et de bonne augure. Sniper qui se fait push par une double section d'Alama, Alama qui profite justement de l'élan américain pour venir push le tout. Il vient aussi push la MG42, mais la MG42 qui, je vous rappelle, se fait surveiller par cette unité de reconnaissance. Et justement, ce lot de fusillés qui vient pousser sur le point de cut pour imposer un petit peu, justement, une espèce de retrait hein, sur à la Wehrmacht et qui impose même de replier Jibello qui vous laisse sans doute mettre son QG à ce niveau-là. Sniper qui est ressorti et Sniper qui a manqué de peu, je crois, de tuer la section. Alors, justement, scout car avec Flammer qui est sorti côté Bolrod. Donc, cette scout car, on l'attendait, cette scout car, on la voulait. Et vous voyez, il n'a rien pour la contrer. Parce que Jibello, il n'a pas choisi de commandant et il n'a pas encore posé son QG. Donc, certes, là, il a débloqué les grenades Flammer, mais il n'a toujours pas débloqué les Faust. Américain qui fait tomber le sniper.
qui fait tomber le sniper. Hein. C'était couillu hein, de la part d'ADN de partir, je pense, de prendre sniper face à une équipe qui était aussi solide. Et qui décide de faire un grenadier d'assaut, arrivé à 5 minutes de jeu. Alors c'est un parti pris assez osé, parce que à ce stade-là, je pense qu'Alama, ayant tech justement le capitaine, pourrait tech ensuite les mécaniser et du coup faire des grenadiers alors qu'en face, vous allez avoir l'arrivée d'un aftrack. Enfin, des grenadiers d'assaut, c'est pas pertinent parce que justement vous menacez votre unité tout simplement qui n'a pas de lutte anti-char. Toujours pas les Faust et Bolrod, il y en a de la chance. Toujours pas de Faust, même si ça se coupe car est quand même un petit peu dans le mal. Capitaine arrivé, le carbu est contesté par une troupe justement de grenadiers d'assaut. Idem, hein, ici on a un nouveau contesté hein, qui est défendu par une section de génie. Bolrod pendant ce temps-là va capturer progressivement chaque territoire. Hein, il n'a pas encore d'MG en face de lui. Il a un Raketen qui va être sorti, je pense, pour lutter contre la Scoutcar et tous les véhicules légers qui pourraient suivre. Les éclaireurs qui ont quand même fait vachement bien le café hein, face aux grenadiers d'assaut. Hein, je ne m'attendais pas à une efficacité aussi importante. Et Alama qui, je pense, est en train de tech tout simplement, qui n'a toujours pas tech, hein, qui pourrait le faire, qui pourrait tech pour essayer justement d'avoir un soutien mécanisé, surtout face au grenadier d'assaut, c'est très très intéressant. Dibilo qui pense quand même à jouer la couverture, qui pense quand même essayer de garder son style, mais c'est vrai que bah, il est vite menacé, il n'a pas forcément de réel moyen d'arrêter le tout. Alors si, il a le Raketen qui va arrêter la Scoutcar. En plus, vous voyez, là, il n'avait pas besoin de s'embêter à tirer un Faust. Il tire seulement avec des sections de fusillés. Et puis, ça va le faire. Alors, vous voyez, juste avec les servants de l'arme, on réussit à tuer le tout. Alors. Parachuté. Hein, voilà, il se parachute un M1. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On a deux sections de grenadiers, mais vous voyez qu'ils sont quand même vachement sévèrement mochés. On n'a toujours pas de soins côté Wehrmacht, et je ne crois pas que c'est encore le cas. Si ça va, bien doit être le cas côté OKW. Donc là, par contre, c'est vrai que ça va piquer. Alors après, Alama est aussi en train de faire son soin, donc il n'y a pas forcément une très grande différence, mais c'est vrai que je trouve que ces unités sont vraiment, vraiment amochées. L'éclaireur qui va faire un barrage, si je ne dis pas de bêtises, qui va utiliser du coup sa compétence pour faire un barrage. Le M1 qui est arrivé, les sections parachutistes qui ont été larguées, qui sont très très efficaces pour se battre contre l'infanterie. Raketen qui est pas repositionné, qui n'est pas utilisé, c'est dommage. C'est vrai que le Raketen, le problème c'est qu'il va vite être un peu inutile. Et Bolrod qui joue l'insolence de sortir un sniper à 7 minutes 27 de jeu. Je pense qu'il a vraiment envie de renforcer sa capacité anti-infanterie, sachant qu'il a passé une section en PTRS. Le mortier M1 qui vient taper sur la section de grenades d'assaut au centre. Les doubles grenadiers hein, qui sont tout frais, hein, vous voyez, qui n'ont pas profité hein, pour faire une pharmacie. Il a 160, il avait l'économie du moins pour faire une pharmacie. Le problème c'est qu'il a posé un champ de mine, ce qui l'empêche par contre du coup d'avoir l'économie pour améliorer en bunker de soins. Sniper qui commence déjà à faire pas mal de kills, hein, il est déjà à 3 kills pour quelques secondes de sortie, c'est pas mal. Alors, retour en force de ADN sur son side, hein. C'est vrai que par contre en termes de VP, hein, ils arrivent bien à les conserver. Ah, le combat qui est très clivé, hein, on a pas forcément grand chose au centre. On a Lama qui vient quand même chercher, notamment avec les parachutistes, un petit peu le point de cut, qui a essayé de faire une grenade. Grenade qui explose très très vite, hein, ça me rappellera énormément la grenade des Rangers. Et l'amélioration M1919 qui est faite sur les paras, donc là ça va commencer à découper sévère, les gars. Ouais, essayer de venir au cas, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée qu'il ait pu avoir. Ingénieurs flammes hein, qui sont un petit peu tout seuls hein, face à cet élan américain, et là c'est dangereux. Surtout qu'on a le M8 qui arrive et qui va commencer à wipe sévère, du coup vous avez les ingénieurs flammeurs qui viennent de tomber. On n'a pas d'anti-char côté allemand, on a que les grenadiers qui sont équipés de postes, hein, qui sont pourtant hein, en mesure hein, de faire mal. Mais bon, maintenant faut traverser la rive pour justement arriver à réussir à Faust quoi que ce soit, donc ça devient compliqué.
Bolrod, qui pourrait tenter le cartable sur la farm. Hein. C'est vrai qu'on l'a déjà vu faire ça, mais il a l'air de jouer de chill. Et le sniper qui a réussi à passer vête 1, mais qui est quand même sévèrement amoché. Et qui est en train de se faire la MG42. Pendant ce temps-là, vous avez le M8 Greyhound qui vient d'achever la MG. MG qui devient disponible pour l'US Force. Mortier qui se fait agresser du coup, qui n'a plus la cover de la MG. Bolrod qui a récupéré tout son side de droite et qui se concentre désormais sur le side du centre avec notamment l'arrivée d'un T-70 qui ne craint pas du tout les grenades d'assaut qui n'ont aucune compétence anti-char. Donc, toujours pas de pharma, on a le tech n'a pas eu lieu. Le tech n'a pas eu lieu côté Wehrmacht. C'est vrai que les BCAVB hein, ont l'habitude de jouer ensemble, donc c'est sûr que vous avez assez vite une agressivité et une complémentarité. Sniper passé à 13 kills, qui va bientôt pouvoir finir, je pense, 7 MG, à moins qu'il vise plutôt 7 sections. Là, il vise plutôt 7 sections qui sont vacantes. Voilà, donc lui, par contre, lui, il a bien pensé à faire sa pharmacie. Alama aussi, ils ont bien pensé à faire leur pharmacie. Il est au courant par rapport aux mines antiparcellules, c'est pour ça qu'il va pas la récupérer, parce que même si vous n'avez pas de démineur, vous voyez les petites pancartes qui indiquent la présence des champs de mines. Alors, venir chercher au CAC l'américain, c'est pas forcément très pertinent, dans le sens où c'est quand même très efficace, les américains au CAC. Alors oui, je sais qu'une seule charge n'est pas nécessaire, très beau wipe fait par la MG plus le mortier M1. Alors je sais qu'une seule charge n'est pas forcément efficace sur le T1, mais ça peut, on va dire, avoir un petit effet psychologique et créer une espèce de menace, et puis une charge après l'autre, tu finis par l'exploser ce T1. La MG qui tombe, mais c'est pas grave, c'est une arme de récupération, et puis bon voilà, vous voyez, vous ne perdez pas spécialement l'arme de support. Le M8 qui est bientôt la moitié de son vétéran, c'est qu'il va pouvoir aller chasser justement CMG, notamment avec la compétence salve de mitraille M2, hein, une compétence qui est assez intéressante et qui permet à courte portée de tout simplement effectuer des dégâts radicaux. Push complémentaire sur justement les dernières unités vacantes, et on sent tout de suite cette agressivité avec l'arrivée d'un deuxième T-70 côté Bolrod. MG42 qui permet de stabiliser la situation sur toute la partie de gauche. La partie de gauche qui a été déminée par des sapeurs. Hop, M8 qui ne subit pas beaucoup de dégâts venant de la MG. Et par contre, MG qui subit beaucoup de dégâts venant du mortier américain qui est tout simplement une pépite. Alors ouais, la raquette qui vient taper le M8, par contre, M8 qui a quand même le temps de en marche arrière, de fuir les grenadiers. Major sorti côté Alama. Major qui va donner accès au Sherman. Ça va être par contre un ADN qui n'a toujours pas passé sa phase de bataille. Ça commence à faire tardif. On n'a pas vu beaucoup d'unités utilisées hein, sur ce T1. Alors si, il y a les médics qui ont été quand même passés. La charge qui finit quand même par venir. Voilà, je finis quand même par prédire les choses. On retrouve cette capacité que j'avais avec Ted Go d'anticiper à un quart d'heure près les actions. L'autodina. Le sniper qui s'en prend un peu. Hein. C'est gado. Le sniper qui est quand même vachement menacé. Et une section qui tombe quand même comme tenue. Alors, ça c'est un push intéressant, il utilise ses doubles sections, maintenant il faudrait focaliser tous ses tirs sur une seule section pour essayer de la faire tomber, c'est ce qu'il fait sur la section de PTRS, PTRS qui est fortement menacée, et il faut continuer à la viser, il aurait fallu split son armée, il aurait fallu continuer à viser cette section PTRS, parce que du coup la section PTRS peut tout simplement back. En plus, je pense que le M8 a la portée pour tirer en barrage sur le QG de son 1, c'est ce que je pense qu'il se permet de faire. Alama qui monte son cul pour avoir plus de pénétration de la part du Raketan. Doctrine hein, qui n'ont pas été choisies à part les deux doctrines de base. Ça sera peut-être pertinent, ouais, je pense qu'il ne veut pas utiliser de doctrine, hein, j'allais dire sinon ce sera pertinent que c'est une doctrine qui permet de réparer tout seul. Je vois qu'il n'en a pas et je pense qu'il ne veut pas les utiliser pour garder ses commandants plus tard dans la bataille. Bombardement qui est lancé, je pense que c'est un bombardement, si j'ai pas de bêtises, qui est lancé de la reconnaissance, même pas, je ne sais pas quel type de bombardement c'est. Ah, c'est le barrageleur, d'accord. Okay. C'est le barrageleur,
et utiliser. Hein. Je crois que le Major a plus ou moins la même compétence. Hein. Dites-moi si je fabule. Non, voilà, c'est ça, le Major a la même compétence. Tout à fait. Faux barrage, c'est le faux barrage. À la mort, en fait, il joue pour de faux. Tout simplement. Voilà, alors vraiment, la Wehrmacht hein, qui est mis en difficulté, c'est vrai qu'ils ont eu cette agressivité en start game. Mais là, ils se font, depuis bien 5 minutes maintenant, bloqués dans leur base. Ils n'ont plus que 2 territoires. Les alliés peuvent dérouler leur tech. Il y a un Sherman qui va sortir côté Alama. On a 2 T-70 côté Bolrod. Le QG de soins qui se fait attaquer au PTRS et qui doit sans doute se faire attaquer, comme je vous l'ai dit, par le soutien du M1. Qui est passé vétéran 1. Hein. Double T-70 qui vient de push justement ce... qui vient de push ce QG qui se fait défendre coûte que coûte et qui finit par coup. Ah, c'est la mute hein, qui fait quand même le café, hein. 6 kills, il est vétéran 1, après il est appuyé par le T-70, hein, ils peuvent se permettre de son stack baissé. Ils font mal, le même qui fait un dégât monumental, notamment grâce à la Sawinify sur le Raketen. Je ne crois que l'axe n'a pas. Si, il a un pack. Il a un pack, c'est la dernière moyen anti-char. Mais le problème, c'est qu'on va avoir un Sherman qui va venir manger les adversaires. Hein, le QG de soin qui est enfin sorti, mais un peu tardivement. Le Morty qui se fait instant shot, instant découpe par le T-70. Le ami qui vient taper ce QG. Le Sherman qui vient avancer sur ce pack, hein, la team BCAVB qui donne, je pense, le tournis à l'axe. Et l'axe qui se rend au bout de 16 minutes de jeu. C'était, comment dire, carré. Ils n'ont pas eu le temps, beaucoup de temps de se manifester. Il y avait le parti pris quand même côté axe d'aller chercher tout de suite ce point de cut. Enfin, ce point de carbu, sans forcément récupérer les points sur le passage, je pense que ça leur a porté préjudice. Parce qu'au final, ils ont récupéré les points, mais ils n'avaient pas les points pour récupérer l'essence. Ce qui a fait qu'il y a eu un élan de ressources quand même côté BCAVB, et puis on est sur une team quand même BCAVB, qu'il faut savoir a gagné quand même 2 tournois, hein. Ça c'est vrai qu'il y a une... Il y a quelque chose voilà, qui a été noté. Donc voilà, cette différence d'écart. Après, peut-être, quand vous voyez comme ça une différence d'écart, ce qui peut être pertinent quand vous êtes une équipe peut-être plus amateur, il peut être pertinent du coup de fusionner en fait vos deux armées pour aller push un mec. Parce que finalement, si vous n'avez pas forcément le niveau pour arriver à enchaîner chacun individuellement un adversaire, mettez-vous à deux, profitez de la supériorité numérique pour essayer de wap quelque chose. Par exemple, on a vu tout à l'heure une concentration de 3 unités Vols grenadiers. Ils auraient pu peut-être se faire le PTRS. Voilà. Alors, voilà. C'est vrai qu'on a assisté à une forme de boucherie-charcuterie. Du coup, on va enchaîner assez vite sur le deuxième match.